L'opposition ira jusqu'au bout de la procédure de destitution, quelles que soient les promesses de la présidente sud-coréenne. Empêtrée dans un scandale de corruption et de trafic d'influence, Park Geun-hye s'est dite prête à quitter le pouvoir avant la fin de son mandat. Mais pour les trois partis d'opposition réunis ici, son départ doit être immédiat. Nous devons ouvrir la voie à cette nouvelle page vertueuse que le public est en train d'écrire, a déclaré la dirigeante du Parti démocratique. Notre rencontre doit être une opportunité de faire savoir au public que nous pouvons gagner en nous rassemblant. Ces partis espèrent faire voter la destitution ce vendredi ou le suivant, une procédure qui doit recueillir les deux tiers des voix à l'Assemblée nationale, puis être confirmée par la Cour constitutionnelle. Depuis plus d'un mois, les Sud-Coréens descendent massivement dans les rues de la capitale pour réclamer le départ de la présidente.